Je vous propose une interview autour d'un objet littéraire, imaginaire, qui vient de paraître en ce début de mois de mai. Il s'agit du livre « Initiation au jeu de rôle » paru chez 404 éditions. Et on va en parler avec celui qui a commis cet ouvrage, François Lévin. Bonjour François. Bonjour. Alors avant de s'intéresser à ce superbe objet, parce que je vous le disais en préparant cette interview, en plus d'être d'un livre qui nous permet de nous initier au jeu de rôle, vous avez fait un très bel objet. On va en reparler dans quelques minutes, mais avant on va s'intéresser à vous. C'est pas la première fois que vous nous proposez un ouvrage autour du jeu. Chez 404 éditions, déjà vous aviez proposé un escape book, donc le jeu pour vous, ça fait partie de votre vie. Est-ce que c'est votre métier principal ou est-ce que vous avez un autre métier à côté de celui de d'écrire des livres ? Ah non, c'est pas du tout mon métier principal. Au départ, moi, je travaille pour la ville de Paris. Et le jeu à côté, c'est plutôt une passion ancienne, puisque je suis tombé dans le jeu de rôle, en fait, au tout début du collège. Donc ça remonte à un certain temps maintenant, hein, quasiment 30 ans, et depuis ça m'a jamais lâché. Le jeu de rôle uniquement ou en a découlé peut-être une passion pour le jeu en général, jeu de plateau, jeu de société ? C'est tout de même rare de s'intéresser au jeu de rôle et de ne pas avoir d'intérêt pour les jeux en général à côté. Il y a des passerelles qui sont évidentes avec le jeu vidéo, avec les jeux de plateau. Et aussi avec tout ce qui tourne autour de la littérature fantastique, si on sort un petit peu du domaine des jeux. Donc on va dire que la culture de l'imaginaire en général fait partie de votre vie depuis un certain temps. Oui, c'est ça. Rôliste toujours ? Rôliste toujours, ouais, avec un peu moins d'occasion, puisque la vie professionnelle et familiale fait que on a moins de temps pour jouer, mais chaque fois que c'est possible, je retrouve des amis et on se fait des parties. Comme moi, vous avez peut-être remarqué que le jeu de rôle revenait en force depuis quelques années maintenant, après une sorte de trou, de période un peu creuse. C'est tout bénéfice pour les créateurs et ceux qui ont de l'imagination. Comment vous voyez ça ? C'est vrai, c'est tout bénéfice pour ceux qui ont de l'imagination, parce que les rôlistes sont souvent des créateurs un peu frustrés, hein, c'est-à-dire qu'ils jouent dans leur coin et ils font des histoires qui sont souvent avec des gros moyens, en tout cas dans l'imaginaire, et beaucoup d'idées, et c'est des choses qu'ils connaissent rarement, enfin qui sortent rarement du cercle de ceux avec qui ils jouent, et chaque fois que, enfin il y a beaucoup de rôlistes en fait qui sont passés à autre chose après, hein, parce qu'ils avaient un goût pour la création, enfin des talents pour la création qui font que il fallait qu'ils s'expriment, il fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte, hein. Bon, beaucoup sont devenus romanciers ou ont fait des jeux de société divers, ont travaillé pour le cinéma. On trouve des traces un petit peu et des gens qui ont un passé rôliste un petit peu partout aujourd'hui. Maintenant sur le jeu en général, on est aujourd'hui à une époque où en fait on aime beaucoup jouer. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, en tout cas moi quand j'étais jeune, hein, les jeux de société qu'on avait, c'était des trucs très classiques, avec des choses un peu marrantes, les jeux Ravensburger, les jeux Nier, les plus vieux de vos éditeurs doivent connaître. Et aujourd'hui on a beaucoup d'éditeurs de jeux. Et beaucoup d'offres sur le jeu. Et c'est un peu normal qu'en fait, les gens qui s'intéressent au jeu s'intéressent à toutes les façons de jouer, et en particulier à cette façon de jouer qui était un petit peu restée en retrait pendant longtemps, qui est le jeu de rôle, qui aujourd'hui revient un peu sur le devant de la scène avec pas mal d'initiatives pour faire connaître à un public plus large le jeu de rôle. Et donc les gens un peu comme nous, de la génération de ceux qui ont connu Donjons et Dragons, on va dire, le coffret rouge ou la boîte bleue, hein, ont des enfants maintenant. Et pour les initier, il y a de superbes initiatives comme la vôtre, avec ce livre « Initiation au jeu de rôle ». Comment vous est venue cette idée de proposer un livre à la portée de tous pour faire découvrir le jeu de rôle, et en l'occurrence, ce qu'il y a de très très bien, pour goûter à la joie de devenir maître de jeu, hein. Déjà, le livre s'adresse
pas spécialement à des gens qui veulent initier leurs enfants ou qui veulent initier, qui sont eux-mêmes déjà spécialistes de jeux de rôle et qui veulent initier d'autres personnes. Ça, il y a des choses un peu plus spécialisées qui existent. Et c'est tout à fait possible de les utiliser. Là, c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour le grand public, c'est-à-dire des gens qui ont entendu parler de jeux de rôle, qui ont peut-être joué une partie il y a longtemps avec des amis, mais qui n'ont pas d'expérience plus que ça dans le jeu de rôle. Donc c'est vraiment pour partir de zéro, sans avoir une connaissance particulière, mais juste parce qu'on a envie de découvrir. Ça peut être aussi une belle idée de cadeau pour quelqu'un qui connaîtrait le jeu de rôle et qui voudrait que son entourage le découvre à son tour. Ah oui aussi, parce que c'est quelque chose qui est, pour quelqu'un qui a l'habitude de jeux de rôle, c'est une approche assez facile, hein, avec des outils qui sont, des règles du jeu qui sont très simples, donc très simples à expliquer et à faire passer, et aussi des scénarios qui, sans être tout à fait classiques, hein, sont quand même d'un accès qui est assez aisé. Alors comment on pense à un livre d'initiation, parce que vous êtes rôliste, vous avez l'habitude de lire les manuels de jeu qui pour certains peuvent atteindre 300 ou 400 pages. Là, il a fallu tout faire tenir vous avez réussi à faire tout tenir dans un manuel qui fait moins de 100 pages, en sachant qu'il y a une grande partie consacrée aux scénarios et aux histoires. Alors si on veut rester accessible, on ne peut pas se permettre d'avoir des règles du jeu qui sont très détaillées et très compliquées. Il faut avoir des choses qui sont à la fois ludiques, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de la matière pour donner envie de jouer, pour que ce soit amusant, mais en même temps, il faut que ce soit quelque chose qui puisse être expliqué rapidement aux joueurs. On ne doit pas passer plus de 15-20 minutes à expliquer comment on joue, hein, avant vraiment se mettre dedans à des joueurs qui n'ont jamais essayé le draw, sinon les gens ont peur ou risquent en tout cas de se perdre et d'éviter l'essentiel. Hein. Quand on pratique le jeu de rôle, en fait, les règles ne sont pas tellement importantes. C'est vraiment le fait de jouer quelqu'un dans un univers imaginaire qui est important. Et c'est ce truc-là qu'il faut choper et qu'on peut choper très très vite en se mettant à jouer. Une autre question, vous auriez pu choisir un tas d'univers pour faire découvrir le jeu de rôle. Vous avez choisi la médiéval fantasy, le médiéval fantastique. Est-ce que c'était un choix parce que c'est peut-être le genre le plus représenté ou celui qui apporte peut-être le plus à l'imaginaire? Alors, il y a de ça, hein, effectivement. Hein. Aujourd'hui, le genre médiéval fantastique, auric fantasy, c'est des choses c'est quelque chose qui est très prégnant dans la culture. Dans la culture actuelle, hein, tout le monde a entendu parler du Seigneur des Anneaux. Tout le monde, la grande série que tout le monde a vue ces derniers temps, c'est Game of Thrones. Hein, donc, tout le monde est familier des codes de l'univers fantastique. Et puis, c'est aussi un univers qui permet, puisque le jeu de rôle, c'est d'abord vivre des aventures, c'est un univers qui permet d'avoir cet aspect aventure, cette vie un peu voilà, d'expédient où on cherche à accomplir des actes héroïques. C'est plus facile, ça peut être plus facilement expliqué et mis en place, mis en scène dans un contexte médiéval fantastique. Après, il y a d'autres univers qui permettent de faire ça aussi, hein, aussi dans la culture générale, on va dire, de ce qui tourne autour du fantastique science-fiction. On a les univers, on va qualifier d'occultes contemporains ou de fantastique contemporain, avec des histoires qui vont faire intervenir un cadre ésotérique ou la magie, ou bien on peut aussi avoir la science-fiction. En gros, c'est les trois grands univers un peu généralistes qui sont bien connus de tout le monde et dans lesquels c'est assez facile de pouvoir se projeter. Bon, on a choisi avec 404 d'aller plutôt sur le médiéval fantastique, mais c'est pas exclu qu'on aille dans une autre direction assez vite. Hein. Vous auriez pu faire juste un livre d'initiation avec des règles et ses aventures. Vous en avez fait en plus un superbe objet, une sorte de grimoire qui s'ouvre avec une pochette qui contient un paravent, des cartes aussi. C'est un système un peu innovant. Il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui se servent de cartes. Là, vous avez proposé un jeu de cartes et des fiches pré-tirées. Et en plus, ce livre qui ressemble à un grimoire aussi. Comment se conçoit ce travail avec 404 éditions? Alors, il y a un travail de maquettage qui est important avec 404. Hein. C'est quand on veut transmettre ou susciter de l'intérêt vers quelque chose, il faut que l'objet soit évocateur. Il faut que on ait déjà envie de jouer quand on voit le livret, quand on l'ouvre, et quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur.
Tout le travail effectivement de mise en page, le fait que ça ressemble à un grimoire, c'est ça, hein, c'est enflammer l'imagination rien qu'au contact de l'objet lui-même. Comment intervient le travail entre vous et la maison d'édition justement pour concevoir cet objet ? C'est un dialogue, hein. C'est un dialogue où on a des idées sur et on échange sur la manière de présenter. Le côté illustration était important aussi, hein. Il fallait trouver un illustrateur qui ait un style qui lui aussi soit clair et qui fasse vite passer des images, quelque chose de plutôt figuratif par exemple, plutôt que des choses plus abstraites. Et moi j'ai besoin de ça aussi, hein. C'est-à-dire que quand je construis une histoire, c'est bien d'avoir des illustrations ou en tout cas des choses visuelles qui permettent de bien se représenter ce qui se passe, à quoi ça peut ressembler et qui peuvent aider l'imagination. C'est une vraie porte d'entrée pour le jeu de rôle, ce guide d'initiation au jeu de rôle. Donc on le répète, c'est vraiment pour ceux qui ont goûté de très loin une fois ou deux ou qui n'ont même jamais fait de jeu de rôle. Est-ce que ça veut dire que vous comptez pourquoi pas faire un autre jeu de rôle un peu plus poussé, un système générique ou proposer une initiation à d'autres systèmes et d'autres jeux? Le but là, c'est vraiment de familiariser, de donner une approche de ce qu'est le jeu de rôle. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'aimerais qu'on l'évoque un petit peu, hein. Il y a les règles, il y a la découverte de l'univers, mais le guide propose vraiment aussi une aventure. Une aventure qui est découpée en 5 épisodes, qui est une aventure un peu au long cours, hein, c'est-à-dire que c'est censé pouvoir être joué en cinq soirées, 5 après-midi. C'est les parties qui elles-mêmes sont relativement courtes pour qu'elles puissent être facilement prises en main, mais le but du jeu c'est vraiment d'aborder une histoire et d'essayer de séduire, hein, le joueur potentiel et l'amener au jeu de rôle par le biais d'une histoire qui est intéressante et dont il a envie de connaître la suite au fur et à mesure qu'il joue, un peu comme une série télévisée. Donc la chose a vraiment été pensée de cette façon-là. Ce qu'on appelle une campagne en fait, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver plusieurs soirs d'affilée ou plusieurs après-midi d'affilée pour vivre 5 scénarios qui forment une histoire complète. Oui, voilà, comme les 5 épisodes d'une mini-série. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Sauf que là, évidemment, ce sont les joueurs qui sont les héros de l'histoire. Et donc, est-ce que ça vous a donné envie de peut-être passer à l'étape suivante, c'est-à-dire créer un vrai jeu de rôle? C'est un vrai jeu de rôle, mais passer à quelque chose d'un peu plus conséquent? Alors, c'est pas quelque chose qui est pour le moment en projet à 404. C'est pas exclu que ça arrive à un moment ou à un autre, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt pour ça. On n'est pas encore prêt pour ça parce que déjà il existe beaucoup d'éditeurs qui proposent des jeux de rôle complets, des jeux qui sont vraiment très bien. Il y a vraiment des très belles choses qu'on peut trouver relativement facilement aujourd'hui. Je ne suis pas certain que 404 ait envie pour le moment, sans être sûr d'avoir une base de joueurs. Une base de joueurs passionnés et fidèles à 404 à vouloir se lancer dans le jeu de rôle. Cela dit, il y a plein de choses à faire autour du jeu de rôle. Déjà, il y a le fait que 404 puisse lancer l'équipe d'initiation, ben, c'est censé ouvrir un plus large public, hein, le jeu de rôle, et donc amener les joueurs à s'intéresser à ça et éventuellement à se tourner vers d'autres produits, vers d'autres maisons d'édition. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de la culture rôliste. En gros, c'est la culture geek, hein, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la littérature fantastique, la science-fiction et toutes les choses qui sont à la fois de la littérature et du jeu, pour lequel 404 a déjà quelques billes, hein, puisqu'il déjà propose pas mal de livres et aussi pas mal de jeux. Ça me permet de rebondir sur un ouvrage que vous aviez déjà écrit pour 404 Edition, qui était un escape book. Oui. Et est-ce que ça vous dit d'en refaire d'autres? J'ai créé la collection Escape Book chez 404. J'ai fait le premier il y a 2 ans. Depuis, il y en a 4 autres qui sont sortis par d'autres auteurs. Hein. Certains d'ailleurs sont le même rôliste. Comme Frédéric Dorn. Tout à fait. Un 6e arrive, fait par un autre rôliste. Et la collection va continuer. Je ne
Il est probable que j'en écrive un autre, mais pour le moment, c'est pas encore un projet immédiat. Et l'actualité future proche de François Lévin, elle est comment et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il est tout à fait possible qu'il y ait un autre coffret d'initiation dans notre univers qui arrive bientôt. Eh bien ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous invite à aller fortement jeter un œil sur ce guide, sur ce livre, ce bel objet, Initiation au jeu de rôle, écrit par François Lévin. C'est chez 404 éditions et surtout la force de cet ouvrage, c'est qu'on peut le trouver à moins de 15€. Le prix exact, c'est 14,95€. Ça veut dire que pour moins de 15€, vous avez... une porte d'entrée vers de belles parties de jeu en perspective. Merci beaucoup François Lévin et très bonne continuation. Et merci à vous.